Tu as vu la femme élégante? Les chefs de gare n'ont pas le temps de regarder les femmes. Comme elle était belle. Et sa robe? C'est sûrement une robe qui venait d'une grande ville. De Budapest. Comme elle était belle, cette femme. Au fond, peut-être qu'elle était belle parce que sa robe était belle. C'est la première fois que je vois une aussi belle robe. On dirait qu'elle a été faite pour vous. C'est étonnant, vous avez la taille mannequin, les hanches fines, les reins cambrés, la taille rêvée, ma taille. Je veux dire ma taille quand j'avais 20 ans. C'est une joie de vous habiller. Ah, les clientes comme vous sont rares. Non, non, mais regardez-moi ce dos. Merci, mon petit, merci. Il est impossible de ne pas vous admirer. Par Saint-Étienne, père de toutes les Hongries, Sonia, Renata, Iliuka, venez vite, venez vite, venez vite voir. Admirable, on dirait une gravure. Mais c'est quel prix? Nos robes ont leurs secrets, leurs prix sont nos mystères. Et aussi d'un grand wagon, cet homme, l'homme qui m'a regardé, il était beau lui aussi. Il y a des hommes dans les trains qui sont très beaux. Je veux que tu dormes. Tu es une enfant. J'ai 18 ans. Je sais bien ce que je dis. Une toute petite enfant qui habite une toute petite gare. Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus d'où je viens. Un jour, j'ai lu dans un livre que toutes les femmes attendaient un homme. Toi, tu es l'homme que j'attendais. Je ne retournerai plus dans ma gare où les trains ne s'arrêtent jamais. Mais tu es folle, voyons. Tiens, moi, j'aurais aimé vivre comme toi. Tranquille, abritée, dans un trou. Tu ne connais pas ton bonheur. Kate, emmène-moi. Mais oui. Et nous prendrons les grands trains qui passent devant les petites gares sans s'arrêter. Nous en prendrons que tu ne connais pas, Toby. Des trains brillants qui traversent des pays entiers pendant des jours et des nuits. Et puis aussi des bateaux, des avions. Nous irons loin là-bas. Très loin. C'est une femme. Elle a un corps. La Vénus de Milo. Avec les bras. C'est drôle ce que je dis là, non? Oui. Ah oui, je ne m'embête pas. Je comprends ça. Oui. Cet Austin est lamentable. Et dire qu'il y a 3 mois que vous êtes avec lui. J'aimerais beaucoup vous voir demain, c'est possible? Je suis grise. À 5 heures. Terriblement gris. J'irai vous prendre à l'hôtel. À l'hôtel? Oui, mais gardez le secret. Pas un mot à Austin. C'est un ami. Il faut être correct. Oh, je vous adore. Oui, la garde, Taïa. Non. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas vous téléphoner à Taïa. Je vous en supplie, monsieur le commissaire, ne téléphonez pas. Je vous ai dit la vérité. Austin m'a raconté tout ce que vous faisiez ensemble. Je sais déjà que vous avez un petit corps adorable. Cet imbécile m'a donné 1000 détails. Ah oui? On pourrait filer. Filer où? Chez moi. Drôle d'idée. On boirait. J'ai mal au cœur. Justement, les cœurs, c'est mon rayon. Je vous soignerai. Il est minuit, c'est l'heure exquise. Minuit? Minuit. Non, je ne veux pas. Il ne faut pas téléphoner. Mettez-moi en prison. Tuez-moi. Mais ne dites pas à Taïa. Oh, je n'ai rien fait de mal. J'ai seulement raté mon temps.
C'est une condition. Tu m'écoutes? Mais c'est une condition. Tu vas m'avouer tout de suite que tu es sa complice. Attention, monsieur Estelle doit apporter bagages. Tout est pareil, chef. Bagages, monsieur Estelle. Oui, quelques-uns, et mon chauffeur doit être là qu'on les transporte dans ma voiture. Ce sera fait, monsieur Estelle.